Personnes qui sont ouvreurs. En fait, c'est des gens qui font partie du club Red de Central Paris. Chaque jour, il y a un groupe de deux personnes qui part en général 2 heures avant les concurrents, dont un connaît l'itinéraire par cœur et l'autre doit faire le boulot du concurrent qui a la tête dans le guidon et qui en peut plus. Celui qui connaît pas, il roule toujours devant ou il court toujours devant. Et s'il va n'importe où, c'est qu'il y a eu un problème de balisage. Et donc on part avec des balises en plus, hein, on reste sur le vélo derrière. Hein. Je vais l'avouer, tout ce qu'on vient de dire c'est faux. Hein. En fait, le matin on part pour foutre la merde en fait. On prend plein de balises. Et en fait toutes les petites loose de la semaine, c'est nous en fait. Donc salut les concurrents. On est désolé, mais en fait sans ça on n'aurait pas de prix Survivor, on n'aurait pas de gens qui râlent à l'arrivée, on se fait un peu chier. Le Raid présente. Yes, oui, recyclable. Mais tout. Les cochons. Best morning ever. Bâton dans le sous bas là, ça les calmerait? Oh non, je pense pas, même pas, ça leur suffirait pas, il faudrait carrément les tuer. Depuis 10 ans, la fanfare, ils sont toujours aussi chiants. Ouais, je pense que c'est tous les matins. Bon, là, je leur en veux particulièrement cette année parce que j'étais en train de rêver que j'étais en train de voler, donc et sans avion, c'était pas mal. Hein. Ce que c'est que ta préparation là. C'est la tartine spéciale 3h du matin pour être en forme toute la journée. La tartine qui te donne la pêche même à l'intérieur, avec de la banane, du Nutella et du pain. Mike Bain, c'est que bon, ils nous ont gratté hier un peu, tu vois, pas à la régulière, parce que finalement il manquait au CP2 d'eau. On a tous attendu en fait que l'eau arrive. Quand l'eau est arrivée, on a tous fait la queue. Et là, ils ont eu un avantage concurrentiel, c'est que les têtes de bite qu'ils ont, ils sont plutôt prédisposés pour ça. Ils nous ont gratté dans la queue et puis voilà, ils sont partis avant nous, ils sont arrivés avant nous. Quoi. Vos têtes de bite vous permettent de gratter des places dans la queue pour choper l'eau. Au CP2 hier. Quoi? Quoi? Moi j'étais en train de me faire percer une ampoule. Là. Moi c'est toi. Et où le départ? Et où le départ? Regardez-moi ça quoi, le mec il est complètement strappé de partout. Et vous avez une moustache? C'est considéré comme étant un handicap ça? C'est le strap de la bouche? Je sais pas si t'as vu, il y a une CO. Déjà que t'arrives pas à réfléchir là, est-ce que tu vas réussir à trouver ton chemin? Heureusement qu'il y avait la fanfare. Dur.
commencer le matin, c'est dur, mais c'est bon. Ça va, le réveil est difficile ou pas du tout? Vous avez aimé la fanfare? Ouais, c'était vraiment trop stylé. Sans eux, je pense qu'on serait pas réveillé. Moi, j'ai bien aimé, merci beaucoup. Merci la fanfare. Ouais, merci, vous êtes trop géniaux. Je t'ai vu marcher tout à l'heure, là. C'est normal ou pas? C'était pas moi. C'est sûr? Certain. Moi, j'ai roulé, mais j'ai pas marché. C'est dur de trouver de l'aspiration ce matin-là. Ah ouais, non, pour nous aussi, hein. Qu'est-ce que... On sait pas dire quoi comme conneries. Content d'avoir résisté jusque-là? Bah, content, ouais, parce qu'on est parti avec le genou de Sophie qui est pas très bien dès le J0. Et elle est là encore le J5, donc avec le sourire. Donc voilà, on est content carrément. Le réveil sympa? T'as kiffé la fanfare? Ah, j'ai adoré, j'avais envie de les tuer. Ouais, je prendrais bien leur instrument et je les mettrais bien dans leur... Hein? Bah en fait, ce matin c'était mieux que la sonnerie de mon réveil, donc ça allait plutôt pas trop mal ce matin. À 5h du matin, vraiment, dès que tu vas pas vite, tu t'endors en marchant. Vous avez un petit marché là sur la montée, c'est normal? Bah évidemment qu'on a marché, ouais. On a pris des photos et tout, on a regardé les plantes, les insectes, voilà. On a... Tout était pissé au moins 4 fois. On a demandé à Charlotte de nous réchauffer, mais elle a plutôt refusé, donc on n'a pas bien compris pourquoi. On l'avait un peu prise pour ça à la base, mais... Ouais, je suis content, c'était un super raid et je me suis bien fait plaisir, et je reviendrai. Est-ce que tu trouves les moustaches sexy? Ouais. Ouais, j'aime bien. C'est canon. Pas du tout. J'ai adoré les moustaches au vent comme ça, c'était génial. Moi-même, je pense, bientôt peut-être. On a fait un petit sondage sur le checkpoint. Vas-y. On a demandé à quelques filles si elles trouvaient la moustache sexy. Ouais. On a eu un résultat de 4 sur 5, hein. C'est ce qui est quand même pas mal. Ah. Tu comptes la laisser pousser ou pas? Ou rester en tête de bite? Ah oui, non, tête de bite. Moi, je suis clairement tête de bite plutôt que moustache, ça c'est sûr. Avec un bonnet, c'est encore mieux. C'est plus profilé. Je cache de tous les infirmiers et des médecins parce que j'ai peur de courir ce matin. Ah bah, de toute façon, on a repéré la montée là, donc a priori aucun souci. Hein. Enfin, dès qu'il y a du vélo, Guillaume a pas mal à son genou, donc je vois pas pourquoi on gagnerait pas l'étape aujourd'hui. Aucun problème donc. Le raid présente. Les coïts. N'est pas 50 là. Search for you.
Vous connaissiez le Club Med ? Découvrez le Club Red. Dans un décor à couper le souffle. Participez aux mille activités que vous proposent les gentils staffeurs. Au programme, détente au bord de l'eau, promenade en forêt, cours de gymnastique, mais aussi thalassothérapie, pêche sauvage dans les rivières, séance de bronzage, activité tir à l'arc, natation et encore karaoké. J'aime tes descentes, tes montées, toutes tes montagnes enneigées. Alors, n'hésitez plus, passez vos prochaines vacances au Club Red. On était un peu fatigué pour le faire, mais on s'est dit on allait vous appeler, se réveiller à 2h30 et réveiller la fanfare avec des casseroles, tu vois. Mais ils sont pas couchés. Ils sont pas couchés. Ouais. Alors, ils avaient prévu le coup, ouais. C'est bien ça, ce matin, le réveil en fanfare. Ouais, très cool. Moins violent que l'année dernière. Ouais. Ouais. Il paraît que c'était un peu plus simple. On mettait les frontales en mode spot, alors ils étaient contents. Merci la fanfare, vous êtes les meilleurs. T'es content d'avoir monté la montagne du Chibre, là ? Montagne du Chibre ? Ah putain, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Content d'avoir pédalé sur la montagne du Chibre ou pas ? Très content. La vue était super, en haut du Chibre, on a de très belles sensations. La montagne du Chibre. De Chabre. Ah, c'est ça ? C'est la montagne de Chabre. Liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see. T'as pas marre que tous les concurrents te défoncent tes vélos? Un petit peu marre, mais bon, faut pas trop leur dire pour l'instant. Apparemment, j'étais à côté d'un staffeur qui avait les talkies, il paraît qu'il recevait pas mal d'insultes de la part des concurrents. Ouais, j'en ai dit quelques-unes, ouais. Le plat chez vous, c'est une notion toute relative. Pour ceux qui seront assez lucides, là, pour le VTT sur carte. Une autre question? Crevant, cette montée. Take me to Broadway. Let's go shopping, baby, then we'll go to a cafe. Le Red présente... Les coliques. I felt your touch was the key to knowledge that I didn't have. That the rest of the world seemed empty inside. Knees crumbling under me, forcing me to kneel down here. It's just not like what I. De chemin et on va arriver face à un mur. Bah, je comprends rien à la carte, mais en suivant les groupes, ça se passe super bien. Ouais. For too long, and here again.
Le raid présente. Bonjour, je suis le signaleur 13, c'est par ici, et à partir de maintenant, cela fait que descendre. Bon courage! Les connards. Oh non! It's hard enough to sit and wait. You're longing out to not want. You're longing out to understand that you're open up your eyes and fight. You're trying to catch a lullaby. You're living out to nowhere. You wonder what you'll get there. The grandma's gonna tell you why. Everyone's gonna teach you right. J'ai plus de genoux, j'ai plus de pied, plus de cheville, je suis en morceaux. On est passé par toutes les émotions, par tous les temps. Ouais. Je suis trop content qu'on soit allé au bout, on s'est battu jusqu'au bout. Je suis pas loin de la maison, là. J'ai hâte de retrouver mon livre. Très content d'aller bouffer un petit truc et de me reposer enfant. Et voilà. Voilà, c'est cool, vous êtes au bord d'un bassin, vous allez pouvoir vous baigner toute l'après-midi. Ouais, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'eau là, on voit une petite tache d'humidité là. Fais gaffe quand même, parce que c'est l'heure qui est baignée interdite. On languissait la fin, maintenant on est un peu triste quand même. On adore tout ce qui était, l'ambiance du raid et tout, c'était sympa finalement. And you're stuck out there on your own.